Ce week-end du 23 et 24 juillet s'est tenu un mini-festival dans les vignes des vignobles Chesneau, à Beausoleil, à Mouzillon. Organisé par l'association Muscading Sound System. C'est la première et la deuxième édition, c'est depuis cette année que nous organisons ça sur Mouzillon. Donc, on a fait une édition au mois de juin avec le duo Blin-Les Ours, on a fait un Fest Days. Et aujourd'hui on fait un Fest Days, enfin c'est plutôt du rock celtique aujourd'hui. Donc c'est Sonardan qui est présent à Mouzillon. Ça se passe très bien. Depuis le premier, au mois de juin, il faisait pas très beau, on a fait ça à l'intérieur. Et là, on a décidé de faire ça à l'extérieur, comme c'était prévu initialement. Donc, au milieu des vignes, dans un champ, avec des barnums et un peu de musique, c'est sympa. Avec des moments détente, avec un bar, différentes animations, une chasse au trésor, la découverte du métier de vigneron, voilà, plein de choses intéressantes. La prochaine édition, ça sera chez nous au mois d'août. Il y aura deux groupes. Le samedi, il y aura BHT, un groupe de musique trans électronique celte. Et le dimanche, il y aura un Fest Days avec un groupe un peu plus traditionnel qui s'appelle Cosnos, qui se lance chez nous. C'est son premier concert. Alors, c'est une association qui s'appelle Muscadic Sound System qui organise l'événement. Donc, cette association a pour but d'organiser plusieurs événements dans le vignoble nantais chez différents acteurs du vignoble pour promouvoir la culture bretonne et celtique du vignoble. Deuxième édition, il y a une première édition au mois de juin, les 18 et 19 juin. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition et il y a une troisième édition qui tiendra les 20 et 21 août. La musique, en règle générale, est relativement bretonne ou celtique. Le style diffère à chaque édition, puisque sur la première édition, on avait un style plutôt traditionnel. Aujourd'hui, on est sur du rock. Et fin août, on va être sur de l'électro-trans, donc un style encore complètement différent. C'est moi qui suis partie à la recherche de tous les groupes et qui ai fait mon choix aussi en fonction des disponibilités de chacun, du budget, du style de musique, voilà. Je pense qu'on va renouveler l'année prochaine, oui, parce que ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. C'est vrai que les débuts sont forcément un petit peu difficiles des fois, parce qu'il faut le temps de se faire connaître et de mettre les choses en place. Mais pour le moment, on a des bons retours sur la première édition. La deuxième édition, même s'il n'y a pas trop de monde, ça a l'air de bien se passer aussi. Donc on attend après de voir celle du mois d'août, qui devrait, au vu du groupe qu'on a, qui devrait être beaucoup plus importante. C'est quoi en fait votre spécialité? Le braillage. Le joueur de ouin-ouin, vous savez, l'espèce de gros machin avec une grosse poche là, avec des tuyaux qui sortent dans tous les sens. Ouais, ça s'appelle cornemuse, biniou, voilà, tout ce truc là quoi. Sonardan, qui veut dire en gros le chant de Daniel. Voilà, parce que j'avais créé ça à l'origine parce que j'étais en solo, puis après on a été en duo, après en trio. Maintenant on est à 4 et on va venir à 5 bientôt.
Une troisième édition de Mousillon Plage aura lieu le week-end du 20 au 21 août.